Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog puisqu'on part à la WooFest de Montpellier. C'est le 14 et 15 octobre, le week-end comme d'habitude. Non, un peu plus. Non, tu montes pas sur la table, loup. Alors, ce n'est pas tout à fait Montpellier, mais ça s'appelle l'édition de Montpellier. Donc, on va y aller. Comme d'habitude, j'y vais avec Mélodie. Opus reste à la maison avec ma maman puisqu'il y a beaucoup trop de chiens. C'est un peu trop compliqué à gérer avec Opus. Il aime pas trop les congénères, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que je l'emmène pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas à nous laisser un like, à commenter cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Ça fait trop, trop plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est plus en direct. On échange beaucoup plus avec vous. C'est La Patte Enchantée sur Instagram, TikTok, Facebook. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Go, c'est parti, nous sommes arrivés au WooFest un tout petit peu avant 11h, l'heure du début de notre course. Alors, on n'a pas perdu de temps, on arrive à la ligne de départ pour s'échauffer. Enfin, pour s'échauffer à notre manière. Au téléphone, Mathilde, je rêve. T'es prête, Mélodie? Oh, t'es prête? On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Aïe, aïe, aïe. Aïe. 7, 6, 5, 0. T'es prête, Mélodie? Allez, go. Deux secondes après, petite pause pour laisser passer les coureurs. Voilà, bon, on est les dernières, c'est bon, c'est ça, on a récupéré notre place, on va pouvoir y aller tranquillement. Allez, non, on a dit tranquillement. Vous inquiétez pas, elle fait genre comme ça, mais dans deux secondes, elle va s'arrêter. Hein. J'ai déjà soif, ça commence bien. Alors, pour vous donner à peu près une heure, il est exactement 11h10. On vient de commencer la course à 11h10. T'estimes combien de temps? 6 km à peu près. 2 heures? Ça veut dire qu'à 13h10, on sera à la ligne d'arrivée. On va voir. Premier obstacle. Contrairement à moi, Mélodie était à fond. Enfin, au début. Attends, Mélodie, j'ai même pas eu le temps de filmer. Non mais regardez-là comment elle saute les meutes de paille. Allez, moi, ouais. Non. On est emmêlés là. Viens nous, Mélodie. Attends. Allez, on monte. Oui. Allez, attends, Mélodie. Attends, Mélodie. Attends. Viens amortir la chute. Allez, on continue. On passe dans les vignes. L'endroit est vraiment très beau. Oh, on va traverser tout ça, tout ce champ. Allez! Ouais! Allez, go! On va éviter le gros pneu quand même. Mais le diamant dessus! Je suis pas sûre d'avoir compris là. Avant-marche, prêt, monté. Ah, ça! Ça va aller, je pense. Hop, hop! Et c'est là où je me casse la figure. Allez, on monte encore. Attends, me fais pas tomber, que je ne glisse pas. Bah, il y a marqué attention à la descente. Vas-y, lance-toi, je t'en prie. Moi, je vais y aller sur les fesses. Bon, il y avait une petite descente, ça va, je ne suis pas tombée. On a failli louper là, on a failli gruger encore. Et là, on a failli couper encore une fois la course, mais vraiment sans faire exprès. Heureusement qu'on nous a arrêtés et dit de tourner, sinon on aurait continué tout droit. C'était d'ailleurs la mi-parcours. Malheur, il n'y a plus d'eau. On va arriver avec l'eau, mais je ne peux pas vous garantir dans combien de temps. Ouais, bah tant pis. Bon, vous avez compris, il n'y avait plus d'eau. Mais heureusement qu'on a croisé ceux qui allaient réapprovisionner.
soif. Ils sont trop mignons. Mais quel bonheur. On a une bouteille carrément, nous. À vos marques, prêts, sautez. On a continué tranquille et Mélodie a voulu esquiver l'obstacle. Allez, Mélodie, allez, on saute. Mélodie, mais qu'est-ce que tu fais? T'es une tricheuse, Mélodie. Allez, viens, t'as pas le droit de faire ça. Deux, trois. Ouais, bah voilà. Bah voilà. Aïe, aïe. On arrive maintenant à la partie salissante. Qu'est-ce que c'est? Mouille pas, moi je mouille pas. Là, Mathilde, elle fait juste la photo. Et elle va pas sauter. Léa, Léa. Allez, Léa, vas-y. Ah, Mélodie, elle veut y aller. Allez, on y va. Oup, 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 oup. Oh, ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Attends, attends, attends. Je vous laisse apprécier la glissade. Super, super. Mélodie, elle nage tranquille. Je suis emmêlée là. Vous avez une corde. Merci. Par contre, moi, j'ai galéré à sortir de là. Les baskets lourdes, moi aussi. De fou. Moi, j'ai de la terre. Regardez. Allez. La glissade. Bah. Oui. Et encore une glissade. Je pensais que j'avais fait le pire tout à l'heure, mais non. Go, merci. Ah, ma phobie. Non mais regardez le plouf. Je pars de côté. C'est une blague là, j'espère. Et là, fallait ramper dans la boue. Ah, je sais pas comment, pourquoi j'ai mis une jambe devant. Aïe, 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 aïe. Regardez la tricheuse, je non, mais rêve. Mélodie, tu triches. Mélodie, tu triches. Mélodie m'a laissé galérer toute seule. Non, aïe. J'en peux plus. Mélodie, en plus tu t'es accrochée. Viens là, Mélodie. Elle est dépitée. Elle a aussi. Oh, c'est pas drôle. Attends. Génial, vraiment. J'en peux plus. Nous, on est trempés de partout. Même les cheveux, vraiment, la dernière glissade, c'était la pire. La pire. Allez, 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 allez. Et c'est dans cet état qu'on arrive au dernier obstacle. Allez dans l'eau. Dans l'eau claire apparemment. Allez monte. Allez saute. Allez saute. Allez, allez, allez. Voilà. Mélodie qui n'arrive pas à sortir de la piscine. J'en peux plus. Allez, allez, vite. Allez, go. Oui. Allez, 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 allez. Allez, viens. 1, 2, 3, 7. Ouais. Ah non, là c'est fini. Merci. Et on a fini la course. Bon, ça y est, on vient de se changer. On est de retour là, à fond pour le village. Peut-être qu'on va aller manger avant, puisqu'il est midi et demi d'ailleurs. Je crois que je vous avais pas fait le retour. Honnêtement, je n'ai pas regardé l'heure à laquelle on a fini la course. On était embarqués, il fallait se changer et tout. Donc ouais, j'ai pas du tout pensé, mais je vous mettrai le temps qu'on a mis. Mais vraiment moins de 2 heures en tout cas, ça c'est sûr. Elle était super cool, la course. J'ai trop trop aimé. Et surtout les deux glissades à la fin, vraiment trop 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 bien. Bon allez, comme je vous l'ai dit, on est parti manger. Après, on a fait un peu le tour du village et on a participé à l'activité frisbee. Comme Mélodie et moi adorons ça, c'était l'occasion. I saw you from across the road.
this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to. La star! En fin de journée, on a participé au défilé des ambassadeurs aux côtés de la marque Jazz Création. Et puis, c'était l'heure de partir. On a retrouvé notre hébergement pour passer la nuit. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. On est dimanche, les chiens sont en pleine forme. C'est parti! Nous sommes arrivés assez tôt, alors le temps que le village de la Woofest s'ouvre, on se repose tranquillement. Hello, c'est le jour 2, on est dimanche 15 octobre et on est à la Woofest. Ça se remplit petit à petit et aujourd'hui du coup on va se concentrer pour faire les stands parce que hier on n'a vraiment rien fait du tout de ça, on n'a pas eu le temps et on va essayer de faire quelques activités et encore c'est pas gagné mais vraiment faire le tour en priorité des stands et parce qu'en fait on repart assez tôt aujourd'hui, faut qu'on parte d'ici à midi et demi donc ça nous laisse 2h, 2h30 pour faire un peu le tour. Voilà, on va faire un massage. C'est pas un massage, un bilan. On a commencé la journée en faisant un bilan ostéo pour madame. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the... Nous avons ensuite fait le tour des stands et Mélodie a réussi à faire les yeux doux pour goûter à de la pâtée. La coquille. Bon, en tout cas. Oui. Ensuite, on a fait un don à l'association Lucaire qui nous a donné le droit de tourner la roue. On a gagné des friandises. On prend ça ? On prend ça ? Allez, on prend ça. Mélodie a aussi eu le droit à un puppuccino. Non mais regardez là comment elle se régale. C'est trop mignon à voir ça. Et enfin, on a posé nos empreintes sur la fresque des donateurs. Bon, ça va, c'est pas si mal que ça. Et voilà, super. Dimanche, nous avons aussi participé à l'initiation au premier secours qui nous apprenait à comment réagir si son chien s'étouffe. Très intéressant. On a fini par regarder une démonstration de frisbee freestyle. Et puis, il était midi et c'était l'heure de partir car on avait un peu de route. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez retrouvé le pipus, il est là. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.